Alors, je vous présente aujourd'hui un ouvrage que j'ai adoré trouver dans une bibliothèque chez un particulier. Je suis d'origine plutôt scientifique, et là, c'est un ouvrage sur l'électricité, sur des expériences électriques de l'abbé Nollet, recherche sur les causes particulières des phénomènes électriques. Et donc, ce qui est génial avec ce livre, c'est qu'effectivement, l'abbé Nollet nous décrit toutes les expériences d'électricité statique qu'il a réalisées. Et il nous les décrit non seulement textuellement, mais aussi avec des planches gravées. Je vais vous en montrer quelques-unes, parce que l'ouvrage en a 8. Voilà, celle-ci est malheureusement un peu abîmée, un peu déchirée. Mais franchement, c'est génial. Regardez. Alors, à la fin de l'ouvrage, l'abbé Nollet aussi nous présente les expériences qu'il a menées sur des paralytiques pour essayer, grâce à l'électricité, de leur redonner de la mobilité, soit dans les muscles des jambes ou soit dans les muscles des bras. Voilà. Et donc, c'est vraiment sympa. Vous voyez, l'électricité statique est produite ici avec un élément qui tourne et qui emmène l'électricité jusque là où ils font des expériences avec des plantes, malheureusement aussi avec des animaux, avec les humains, bien sûr, pour essayer de comprendre les effets de l'électricité sur le corps. Voilà. Alors la reliure n'est pas en très très bon état. Hein, elle a quand même des petits défauts. Mais bon, ça reste quand même raisonnable. Et puis surtout, c'est un sujet fabuleux, quoi. Merci. Donc ouvrage en vente sur mon site livreancien.fr.